Bon, maintenant on va voir comment on diffuse ça aux élèves. Tout est prêt, voilà, j'ai changé, j'ai enlevé le 1, etc. C'est tous les sixièmes. Le premier truc qu'on a à faire ici pour le diffuser aux élèves, c'est partager. Sinon elle est en privé et personne ne peut se connecter. Donc je partage mon projet, je vais le publier d'abord. Donc là elle devient visible par tout le monde. Donc tous les élèves qui vont avoir le lien pourront rentrer leurs chiffres. Donc je publie. Après je retourne sur ici là, et puis j'ai ce code ici là, qui est très très long, c'est ce que vous allez donner aux élèves pour qu'ils puissent rentrer dans l'application. Donc je sélectionne, je copie, et comme c'est un lien à rallonge, alors soit j'envoie le lien direct, hein, si je fais ça maintenant, si j'ouvre un onglet et que je dis aux élèves venez sur cette adresse là, elle va venir sur ce que vous aviez vu au début. Voilà, et puis tous les points vont s'additionner, voilà, ils se connectent là, et tous les élèves qui se connectent à cette adresse-là peuvent remplir. Voilà, donc c'est pas très très, l'adresse est un peu longue. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement venir là sur générer un QR code, et à la suite, voilà. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel générateur de code. Vous venez ici, vous copiez le code. Petite marge, hop, c'est ce code-là. Voilà, donc ici vous faites enregistrer l'image sous, voilà, et puis vous mettez le nom que vous voulez, défi 6e, et vous l'enregistrez où vous voulez sur votre ordinateur.